Voilà, surtout. En commun. Oh, enfin, tatouage en commun. Salut à tous! Une petite vidéo particulière. Une petite vidéo spéciale. C'est moi qui ai voulu la faire. Oh, moi aussi, je suis d'accord. Toi aussi, mais on en a parlé, quoi. C'est qui en a parlé en premier. C'est très rare qu'on le fasse. C'est un peu une vidéo sponsorisée, si on peut dire. Enfin, pas vraiment sponsorisée, mais nous, on va sponsoriser quelqu'un. C'est une très bonne amie à nous. En soi, on la connaît tous les deux. Donc, on va peut-être pas trop citer son vrai prénom. Mais non. Mais voilà, elle s'appelle Piche. Ça commence par un M et ça finit par Argo. Voilà. Et voilà, c'est une amie à nous. Donc, son pseudo, c'est Piche Tattoo. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, Insta. Déjà, ses réseaux. Il y aura ses réseaux, ils vont être affichés avec nous là. Ils vont être en description, donc allez voir. Elle fait des. Bah, c'est une tatoueuse donc, déjà, de base. Margot au départ est tatoueuse. Et pendant le confinement, comme tout le monde, elle a pas s'est emmerdée. Elle a pas pu exercer son boulot comme tout le monde, on a été beaucoup dans ce cas-là. Et donc elle a une idée, c'est de faire de ses dessins, de ses tatouages, bah, des t-shirts qui sont super beaux. Margot donc tatoue beaucoup, bah, si on peut dire, elle est beaucoup, si je peux dire, spécialisée, peut-être pas spécialisée, mais en tout cas elle fait beaucoup de dessins de manga. De Disney, de ouais, choses comme ça. Tout ça en plus. Bien elle, geek, est, elle est quand même geek, elle est, aussi, elle est beaucoup jeux vidéo, Marvel et tout, donc elle aime bien tout cet univers là. Et donc bah, on a fait une petite sélection de t-shirts qu'on y a acheté, hein, on va le dire, on a participé à son futur, si je puis dire, à son entreprise. Et donc voilà, donc bah, Logan en a un sur, Logan, il en a un sur lui. Naruto. Donc lui il a le Naruto. J'ai choisi Naruto, mais donc bah il est super bien fait. Je suis bien confort dedans en vrai. Donc ouais, bonne c'est taille. Ça que je voulais dire. Ouais, les t-shirts sont super quali. C'est pas genre le petit t-shirt. Et un truc, moi j'ai une remarque. Il y a des t-shirts où c'est un truc collé à la con. Et là c'est. Là tu sens que c'est pas collé, c'est pas genre ça te gêne pas en fait. Regarde, je peux le plier. Ça va pas péter le dessin. Tu sens que c'est pas un bout de plastique. C'est t-shirt quoi, c'est vraiment t-shirt. Et il est stylé, voilà. Hein. Franchement, Margot, Piche. Plus cher, t'es cher. Là, il y en a un autre. Il y en a un autre. Donc là, on a le Pokémon. Avec, vous voyez, ce magnifique Dracaufeu. En train de faire une attaque avec son petit, ses petites flammes. La petite Pokéball. Enfin, l'Hyperball même, c'est l'Hyperball. Ouais. Et pour ceux qui connaissent, bon, tous ceux qui sont fans Hunter x Hunter, bah moi j'ai Hisoka. Donc on reconnaît bien avec sa couleur de cheveux bien caractéristique, ses petites cartes dans les mains. Voilà, mais ses dessins ils sont super beaux. De toute façon elle a une boutique aussi. Ou avant ses t-shirts. Ouais, il y a la boutique en ligne. Donc voilà, on vous mettra le lien. Franchement, prenez-lui un t-shirt pour la soutenir, ça coûte pas grand chose, c'est un t-shirt. Et en plus c'est des dessins que vous n'allez pas avoir nulle part, c'est elle qui les fait. Et c'est original et c'est des dessins uniques. Mais c'est surtout que c'est des beaux dessins en fait. Ils sont magnifiques. Non, tatoue bien. Ah, tatoue super bien. Bah, dessine bien de base déjà. Si, bah, s'il y a un tatouage, on sait jamais. Hein, s'il y a un tatouage qui vous plaît, on va avoir des t-shirts. Non, mais moi, elle tatoue aussi, donc s'il y a un tatouage qui vous plaît, n'hésitez pas à la contacter. Moi, ce que je veux dire avant tout, parce que là, c'est pas une vidéo pour nous, c'est aller vraiment la voir, même si vous avez pas le temps, machin, allez au moins voir un peu son ce qu'elle travail, fait, ouais. Son travail. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres dessins. Et juste pour la soutenir, likez ou abonnez-vous sur ses pages, juste pour la soutenir, c'est un petit message de soutien et ça lui fera plaisir. Du coup, faut savoir qu'elle fait pas que des t-shirts. Sur la boutique en ligne, vous pouvez trouver des pulls, il y a des sacs. Donc il y a pas mal petits trucs, franchement sympathiques. N'hésitez pas à lui dire, hein, si vous la contactez, de lui dire que bah, vous l'avez connue grâce à nous. Ouais, grave. Elle nous fera un ça nous ferait plaisir. Elle nous fera un petit retour comme ça. Mais j'espère qu'elle aura plus d'abonnés, de monde pour son travail, parce qu'elle le mérite quand même, parce que c'est pas des dessins qu'elle copie, quoi. C'est elle vraiment de A à Z. Il y a sa petite touche personnelle à chaque fois, donc voilà. C'est une amie à nous, voilà. C'est une amie à nous, on voulait la soutenir dans son travail. Voilà. Et bah, puis ça peut nous faire un petit attaché à toi. Il a dit, parce que t'as pas dû entendre, il a dit si elle peut nous faire un petit tatouage gratos. Voilà, surtout. En commun. Oh, enfin, tatouage en commun. Moi, je fais les boules. Timon Pumba. Je fais les boules, tu feras le pénis. Je pense pas qu'elle aime bien tatouer ce genre de choses. Tu sais pas. Non, toi, Sasuke, moi, Naruto. Oh non. Ah si. Mais j'ai même pas envie d'aller dire aller sur nos réseaux, mais aller sur ses réseaux. Ouais, allez sur ses réseaux. Insta,
Facebook, Snap, Twitter, Discord. Je sais pas si elle les a, TikTok. Allez-y quand même. On sait gérer tout ça. Tu vois, on ne demande même pas d'aller sur nos réseaux. Ne likez même pas cette vidéo, mais likez sa page. Faut liker quand même la vidéo. Likez quand même, ça nous arrange pour les stats. Commentez pas la vidéo, mais commentez chez elle, mais commentez aussi notre vidéo. Mais voilà. D'autres choses à dire? Bah non, bah Margot, voilà. Voilà, on espère que t'as aimé notre vidéo. Bon courage à toi encore, continue comme ça, tes dessins sont soutient, super, ouais. On te soutient à fond. Et puis bah voilà. Et comme dirait l'autre? Un petit comme dirait l'autre. À vous les studios.